Tout le monde. Bon, nous revoilà cette fois-ci pour faire la campagne en mode réaliste. Je devais pas le faire, mais j'ai quand même envie de le faire. Donc, par contre, on a des petits objets qu'on gagne. Donc là, sur la première mission, on gagne un titre. Et là, la détermination. Deuxième, un petit emblème animé qui est plutôt sympa. Jeton d'XP, c'est pour support multijoueur. Là, on a enchaîné. On est... Jeton d'XP, jeton d'XP. Là, on a un beau titre gaz, je trouve magnifique. Là, on a un opérateur, carrément. Là, jeton d'XP. Ah, j'ai loupé. On était à où? Ici, XP. Opérateur, pareil, très très beau. Un deuxième opérateur. On est sur rétrospective double XP. Opérateur est le meilleur pour la fin. Un fusil d'assaut de la garde de l'Union. Donc ça c'est vraiment toutes les choses, on voit bien. Terminé en vétéran pour ceux qui ont suivi sur la chaîne. Et cette fois-ci, on est reparti sur du mode réalisme. Donc en fait c'est du vétéran identique avec un ATH limité. Donc je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'aide. Je ferai des petits cuts en toute façon si je crève trop ou quoi. Parce que déjà le mode vétéran est très très hard je trouve. Donc il y a des grandes chances que ça fasse pareil là. Surtout sur les fins de jeu où, pas vous spoil, mais sur les fins de jeu, il y a des missions qui sont très très dures. Où j'ai dû passer pratiquement 1 heure sur un petit bout de chapitre, on va dire. Voire 1 heure et demie. Donc je pense que là, je ferai des petits cuts aussi. Espérons juste que j'ai pas de freeze. Ça, c'est encore autre chose, j'avais beaucoup de freeze. Je ne sais pas si c'est dû à la puissance de mon PC ou pas. Allez, c'est parti. Désolé. Shadow 1 pour leader Gold Eagle, on est en position. Quels sont les ordres? Monsieur Graves, patientez. Dazwell, a-t-on confirmé la cible? Watcher 1 à Bravo 07, vous êtes en position. Presque. Bon, cette fois-ci, je vais tester. J'ai bien dit, je vais tester. J'ai mis les graphismes pratiquement au plus haut. Quelques trucs que j'ai réduit parce que je voyais pas trop l'utilité, mais j'ai enlevé pas mal de petites choses quand même. Bon, même si je l'ai fait il y a 4 jours, la campagne complète, il y a quand même des endroits je pense que je vais oublier, mine de rien. Mais c'est toujours jouissif de revoir la campagne, elle est tellement bonne. Donc, utiliser les lunettes. Voilà, donc là ça commence bien. On n'a pas l'ATH de quelle touche Du personnel armé, pour des les blindés et du lunettes. matériel. Le tout d'origine russe. Mais qu'est-ce que les Russes foutent avec Gorbrani? Ils fournissent les rangs. C'est un trafic d'armes. Par contre, on peut zoomer ou pas? Affirmatif. Ok. Une bière de coups. On doit être sûr qu'il s'agit bien de Gorbrani avant d'attaquer. Ghost, vous pouvez identifier le général? Les hommes armés protègent le VIP. Les Russes ont l'air très contents de le voir. Ils en profitent, ça ne va pas durer. Il y a vraiment zéro indication. Même là, pour zoomer et tout, j'ai dû appuyer sur un peu de mon clavier, on va dire. Surtout que les touches de base sont pas géniales, je trouve, au niveau des paramètres, comment c'est foutu. Ghost, vous pouvez confirmer qu'il s'agit bien de Gorbrani? Bah là, comment tu veux que je t'aide Ouais. Attendez. Visuel sur le général Gorbrani. Compris. À toutes les unités, cible confirmée. Shadow 1, vous avez l'autorisation de lancement. Bien reçu, leader. Ghost, vous êtes très proche de la zone. Cette frappe risque de faire très mal. Reçu. Vous pouvez envoyer. À toutes les unités, ici Shadow 1. Missile prêt pour une livraison immédiate. Préparez-vous pour le lancement. Coordonnées validées. Cible désignée. 2, 1, 2. Missile envoyé. Toujours aussi haut, enfin, cette petite cinématique. Allez, c'est parti. Je vais prendre les commandes manuelles pour diriger la bête. Missile en direction du nord-est à 0,65 degrés, Mach 3, altitude 500 mètres. La trajectoire est bonne, restez dessus. Confirmation, on approche, impact imminent. Cible à 5 degrés. Impact 3.
Boum. Putain de merde. Impact. Cible détruite. Entrez. Laswell. Général Shepard. Oh, je connais ce regard. On est en guerre. Vous seriez le premier au courant, général. Ça, c'est bien vrai. Dites-moi tout. On a localisé le second du général Gorbrani. Hassan Ziani, major de la force Al-Quds. Il a repris les rênes en Iran. Pour fournir les terroristes. Argent, armes, renseignements. Il est plutôt ambitieux. Il est dangereux, général. Il veut venger l'assassinat de Gorbrani. Il prépare quelque chose. On ne peut pas l'arrêter en Iran. Il n'est pas en Iran. Il est sur le terrain à Al-Mazra. Mais qu'est-ce qu'il fabrique à Al-Mazra ? Il n'y a qu'une façon de le savoir, général. Alors capturons-le. Quand ? Quelle heure il est, là ? Qui est-ce qu'on envoie ? Décoller dans 5 minutes. Reçu. La marine est en train d'embarquer. Vous et le sergent allez mener cette opération. Le sergent ? Sauf Maltavi. On va tout déchirer, pas vrai, lieutenant ? Je te garde une place. Quel merdier. Ghost, vous me recevez ? Oui, chef. Un problème ? Négatif, chef. Terminé. Des frappes aériennes sont lancées contre les ennemis près d'Al-Mazra. Nos renseignements signalent des troupes d'Al-Qatala convergeant vers la vallée. Ils doivent protéger quelque chose. D'après ce qu'on sait, trois structures sont gardées par des soldats. Le Major Hassan est peut-être à l'intérieur. Ghost et Soap dirigeront une unité spéciale de Marines pour tuer ou capturer Hassan ce soir. Un hélico déposera deux équipes, une de chaque côté du périmètre de la zone cible. L'équipe Bravo sécurisera les bâtiments 1 et 2. L'équipe Alpha, le bâtiment 3. Tous les soldats ont l'autorisation de tuer. Mais il nous faut Hassan vivant si on veut l'interroger. Faites attention. Hassan est la planche de salut d'Al-Qatala. S'il est là, ils mourront pour lui. Bonne chance. Bravo, vous descendez ici. Alpha atterrira un peu plus loin à couvert. Les deux équipes se rejoignent au centre. N'oubliez pas, on veut Hassan vivant. Mais vous avez l'autorisation de tuer. Allez, saute. Là au début on s'est beaucoup surprendre quand même, c'est là où ça m'avait choqué la première fois. Dans la baraque, ça pop énormément. En tout cas les ennemis nous prennent vraiment. Alpha, vous me recevez ? Bravo ! Alpha est paralysé ! On a plusieurs blessés critiques ! Oh, merde ! On se fait tirer dessus ! Alpha, on se dirige vers le bâtiment 1. Tenez bon. Ghost, on doit sécuriser le site du crash. Et vite ! D'abord, on s'occupe d'Hassan. Ça détournera l'attention d'Alpha. Ensuite, on sécurise le site du crash. Compris ? Bien reçu. On bouge. Par contre, là, j'essaierai de faire des étapes beaucoup plus courtes. Donc petit chapitre par petit chapitre. Même si c'est des vidéos de 15-20 minutes, je ferai vraiment des trucs super courts. Avancez pour vraiment bien profiter de la campagne en réaliste. Pas que ce soit trop long. Et du coup il y aura plus d'épisodes, parce qu'au le faire des épisodes d'une heure, bah forcément il risque d'avoir 30 ou 30 épisodes ou un truc comme ça. Déjà ici, on avait eu un bug la première fois.
Au niveau de l'ennemi qui pop là sur la porte. Ok, là on l'a eu direct. Grenade lancée. Bravo, dirigez-vous vers le bâtiment 2. Bravo, le site du crash est visé par des roquettes depuis le premier étage du bâtiment 2. Alpha, on attaque le bâtiment 2. Résistez. Allez, c'est parti. Je sais pas si on a des... Ok. 7-1 en formation. J'ai rallié, non? Même pas, à cause de la grenade. Donc on n'a pas l'air de pouvoir jeter la grenade, en tout cas pour l'instant. Bâtiment 2, allez. Ok, ça c'est fait. De toute façon, faut qu'on rentre par la porte d'entrée, nous. Ah non. Voilà. C'était là où je me suis fait surprendre déjà plusieurs fois. Et ça va être beaucoup ça sur la première mission. Donc dès le début, j'ai dû mettre en condition directe. Donc je vais flinguer... Celui du haut. On gère la porte, sergent. Occupez-vous de la fenêtre. 7-1. J'entre. Ok. Là, il y a des trucs que je me rappelle plus trop. Attention, tu tires. Faut que je fasse gaffe. Il y a vraiment des trucs des fois que j'ai oublié. Ok. On est en train de monter à l'étage. 7-1, je passe au niveau. Dommage qu'on n'a pas le droit de tirer avec le laser sans la, la nocturne. Ok. Merde, y'en a un dans le couloir. Ghost, le lance-roquette ennemi est mort. Parfait. Beau travail. La zone est sécurisée. Aucun signe d'Hassan. Reçu. On rejoint le site du crash. Il y a une vidéo d'Hassan ici. Est-ce que ça va? Allez, c'est parti. La plaque a arrêté la balle. Ce sont les enfoirés qui tiraient sur Alpha. Première mission, déjà compté. Je jouais énormément à la flash. Du crash. Allez, dans les petits recoins comme ça, ils sont beaucoup cachés. Ghost, ici Soap. Alcatala possède du matériel de pointe. Soap, on se rend sur le site du crash pour aider les blessés. Vous autres, restez ici pour nous couvrir. Reçu. Alpha 02, ici Bravo 07, bâtiment 2 sécurisé, on vient vous chercher. Alpha, bien reçu. Restez sur vos gardes. Alcatala nous attend. Alliés! Que c'est bon de vous voir, les gars. On a 5 morts, un blessé. J'ai que mon arme et je manque de munitions. Aidez-moi à le déplacer. On n'a pas le temps, ils sont là. Okay. Braquez votre arme sur ces arbres. Tuez! Des tireurs près du mur! Ce sera fait, lieutenant. Toujours aussi chaud pour les repérer. Hein. Attention, c'est le mode vétéran, y'a rien qui change. Il faut vraiment se fier au. Lance-roquette! Merde, merde! À vos armes! Ils approchent! Le repérer! On est descendu! Couvrez l'arrière! Okay.
Joli, joli, joli. On commence bien. À vos armes. Wow. Par contre, celui-là... Ouais, ça rigole pas. À vos armes. Je vais vite me mettre là. Ok, on se garde, on peut se faire gauche. Ok. Donc ici, le mieux franchement c'est de bien couvrir cette zone là. Donc voilà, comme je dis, vite se faire prendre dans le dos. Terminé. Voilà. Continuez de surveiller ces arbres. Là, ça va arriver en face. Cette 6 demandait une frappe. Je veux du soutien aérien sur ces arbres. Reçu, je les appelle. Tenez bon, les gars. C'est pas encore fini. 07, le soutien sera là dans 3 minutes. Bien reçu. C'est pas ce que je voulais faire. Soutien aérien en approche. Voilà. Là, on va mettre ça un peu partout. Aucun visuel. Ouais, je vois. Attention! Il lance des grenades! Là, il y a des boules complétées. Voilà, pareil. Bien cover ici. Ok, les mines sont là. Ils font leur tape. Un homme à terre! Il est mort. Continuez de tirer. Éliminé. Il y avait que lui, ouais, c'est bizarre, à chaque fois il venait tout le temps par derrière, je comprenais pas. Ouais, ça va. J'ai jamais compris pourquoi. 3 s'est fait tirer dessus. Il est mort. Donc là. 7-2, j'ai besoin de vous. On va attendre les bombardements. Oui, j'arrive. Ghost, on devrait se replier dans la maison. Négatif. On sécurise la position et on avance. Si Hassan est encore là, il est forcément devant. 7-6, connectez-moi avec le soutien aérien. Reçu, un instant. Net leader, ici Kilo 01. Eux dans une minute. Kilo 01, vous pouvez faire feu sur tout ce qui se trouve devant nous. Tire près des alliés autorisés. Bien reçu. Merde, quoi encore? Lieutenant, des blindés approchent de notre position. J'en vois 4. Économisez vos balles, laissez-les approcher. Ils arrivent. Attendez avant d'attaquer. Tenez-vous prêts. Dites-vous y aller. Envoyez un hélico pour évacuer les blessés. Reçu. Préparez-vous. On doit encore retrouver Hassan. Ouais. Allons choper cet enfoiré. Alpha, avec nous. À vos ordres, lieutenant. On bouge. Soap, resserre les rangs. Ces ordures se sont servies de nous comme appât. Ils sont lourdement équipés et bien organisés. Ah, même là, ils me disent pas de mettre la lunette, rien. Il faut vraiment que j'y pense. Écho sur la TH. J'aime pas du tout le spécial celle que ça fait avec les lunettes. Le crash de l'hélico a créé une diversion. Ouais. On va vite voir s'ils en ont profité. Il a du Warthog, il est violent. Dites-leur de patienter. On arrive. Reçu. Bâtiment 3 en visuel.
C'est notre objectif. Hassan se trouve peut-être à l'intérieur. Ok, donc là par contre. Là ça va être une belle galère. Merde. Oh, terre. Sniper ennemi sur le toit. À couvert. Sniper éliminé. Qui est touché? 7-5 est à terre. D'autres snipers sur le toit. Élimine-les. Putain, comment ils font pour nous voir? Ils ont des équipements de vision nocturne. On fait des proies faciles ici. Un autre. Je les tire. Soap, continue de nous couvrir pendant qu'on avance. Voilà, le coup compliqué ici. Voilà, c'est ce genre de truc. C'est qu'on n'a pas de... On n'a pas de cover en fait, si on reste en plein milieu, même là déjà là. On s'en sortira pas sans soutien aérien. Celle-ci, faites feu sur ce bâtiment, tout de suite. On va attendre. Hassan est peut-être à l'intérieur. Ne laisse pas le choix. Celle-ci, frappez le bâtiment, ne le démolissez pas. Kilo 01 demande de frappe. Ciblez le bâtiment devant nous, ne le démolissez pas. Celle-ci, bien reçu, on arrive. Il y avait une touche pour se zoomer, mais je ne sais plus où c'est laquelle. J'ai regardé un peu toutes les touches. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Ouais, il y a pas de touche. Espérons qu'Hassan est encore en un seul morceau. Même en plusieurs, ça va. Il sera plus facile à trouver comme ça. Bravo, avancez. Je vais vous bouclier ce bâtiment. Après toi, sergent. Trouvons Hassan, mort ou vif. Ok. J'entre. Voilà. Bordel de merde. Vérifiez les corps. Il nous faut une identification formelle d'Hassan. Ennemi abattu. Ça, par contre, je me rappelais plus dans cette ce petit renforcement de mur là. Ouais. Bordel de merde. Ennemi abattu. Et c'est vraiment une balle. Vérifiez les corps. Il nous faut une identification formelle d'Hassan. Par contre, j'ai l'impression que la régénération de PV est mieux. J'entre au rez-de-chaussée. Elle est beaucoup plus rapide. Quelqu'un a vu Hassan? Aucun signe d'Hassan. Négatif. Aucun signe de la cible VIP. Négatif. Aucune trace d'Hassan ici. Non. C'est pas lui. Je commence au rez-de-chaussée. Je me dirige au premier. Ok, on monte doucement. Passe au premier étage. Je pense que la première fois ici que vous avez l'avez, vous l'avez jamais fait, vous allez forcément mourir de toute façon. Pour se rappeler précisément de où sont les ennemis, c'est compliqué. Mourir, question de faire le repérage et après. Ça va le faire. Faites attention les gars, ces connards sont partout. On
abattu. Oh, j'ai tiré là par contre. Non. Là, je suis pas d'accord. Là, j'ai bien tiré dessus. Faites attention, les gars. Ces connards sont partout. Oh là là. Comment être nul ? La grenade. J'en ai abattu un. T'es là. C'est un putain de centre des opérations. Où est-ce que tu peux trouver, Soap ? Ok. Regarde, c'est l'uniforme d'Hassan. Donc il était bien là. Il a dû filer pendant qu'on sécurisait le site du crash. Tu insinues qu'on n'aurait pas dû les aider ? Chaque décision a des conséquences. Bravo, on a du mouvement par ici. On arrive. Bravo, regroupez-vous à l'extérieur. Si Hassan n'est plus là, alors qu'est-ce qu'ils peuvent bien protéger ? Très bonne question. Qu'est-ce qu'on a ? Un entrepôt. La porte est ouverte. J'ai entendu du bruit à l'intérieur. Reçu, faisons le ménage. Contact ! Ok, donc là on aura les deux gros qui vont arriver là normalement. Ouh. J'ai plus de flash, si. Ok. Ah, je pense qu'il est mort, vu le bruit que ça a fait. Là je l'espère, parce que vu le mal qu'il fait... Il y a encore un mec. Une petite flash. Ah ouais, ça met pas la TH comme quoi c'est un blindé. Wouah, c'est chaud par contre. Comment savoir si c'est un blindé à part avec le bruit? Ah ouais, là, ils ont vraiment pimenté par contre. Hein. Oh. On va attendre un petit peu. Vite, la flash. C'est bon ? La voie est libre. Passe dans nos peignoirs. Trouve ce qu'il cachait. Okay. Cet entrepôt figurait pas dans les... C'est quoi ce bordel ? C'est en anglais. Putain de merde. Des missiles balistiques. C'est un lanceur mobile. Ils peuvent parcourir 1600 km. Ouais, au moins. Comment les Iraniens ont-ils pu mettre la main sur ça ? 7-6, passez-nous Laswell. Reçu, attendez. Bravo 7-6, Charlie pour Watcher 1, vous me recevez ? Ici Watcher 1, je vous écoute. Laswell, ici Ghost, on tient quelque chose. Dites-moi que vous avez Hassan. Ghost. Regarde ça. Ghost, vous avez Hassan ? Négatif. On a trouvé une cache d'armes. Hassan a des missiles. Ils sont américains. 07, ici Leader Gold Eagle. Veuillez répéter. Je répète, Hassan détient des missiles américains. Très bien, sortez d'ici. Allez, tout le monde dehors, vite ! L'Iran est en possession de missiles américains. Des missiles qui sont entre les mains d'Al-Qatala. Hassan a distribué nos missiles balistiques comme si c'était putain de Noël. Et on n'était pas au courant. L'Iran peut ainsi jouer la carte du déni. Déni plausible, mon cul, oui. L'Iran est derrière tout ça. Je veux savoir combien il y en a et où il compte les utiliser. Si Hassan déplace des missiles, il reçoit forcément de l'aide. Alors je vous conseille vivement de trouver qui sont ses complices. Mon équipe n'a besoin que de 2 heures, Général. Et on découvrira ce qu'il y a à savoir sur ces missiles. Négatif, je veux que vous les détruisiez. Général, on va perdre des renseignements précieux. Nos services de renseignement ont échoué, Laswell.
On ne va pas pouvoir établir de stratégie cette fois. 500 soldats ennemis envahiront ce site avant l'aube. On doit agir vite. Leader Gold Eagle pour Ghost. Retirez votre équipe et demandez une frappe. Je veux la destruction de ces armes. Bien reçu, leader. Amsterdam. Qu'est-ce qu'Amsterdam a à voir dans tout ça ? Son réseau de contrebande. Les ports et les canons ne sont pas sécurisés. L'Iran y a des alliés. Bon, les gars, aussi. N'hésitez pas à mettre le petit like. Ça fait énormément plaisir. Je vais mettre un commentaire et je vous laisse avec la petite fin de cinématique. Enfin, première bonne nouvelle de la journée. J'établis le contact et je gère ça, général. Kate Laswell retourne sur le terrain ? Je veux faire ça bien. Et sans rater. C'est aussi ce que je veux. Kate, je veux voir Hassan bien emballé dans une boîte. En attendant, restez discrète. Oui, général. Bien sûr. Vous serez là quand ? Dans moins d'une heure. Où en êtes-vous ? Près des canaux. Sous un pont, j'observe un bateau d'Alcatala. Il transporte un conteneur de missiles ? Négatif. Pas celui-ci. Espérons qu'il nous guide jusqu'aux autres, alors. On se tient au courant. Gaz. Vous êtes prêts ? Parfaitement. Alors c'est parti.